Je m'appelle Mike Sata. Je viens du bout du monde, le Japon, le seul pays à avoir connu l'arme nucléaire. Il y a 30 ans, je suis tombé amoureux de la Bourgogne et de ce château que j'ai essayé de sauver de la ruine pour lui offrir un second souffle. Voulant suivre les traces de mon père et de mon grand-père, je pensais au début devenir médecin pour sauver des vies humaines. Finalement, je me suis retrouvé à construire des instruments de haute technologie dans le domaine de la santé, et spécialement dans celui des soins intensifs. Je fais en fait le même travail que les médecins qui sauvent des vies, mais peut-être à une plus grande échelle. Mais aujourd'hui, je suis toujours accompagné, et d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. En 1998, ma vie a changé après une découverte qui m'a bouleversé. Cette découverte porte un nom, Notre-Dame de la Bombe. During the war, in 1945, imaginez qu'en 1945, vous êtes à 200 mètres de l'endroit où la bombe atomique a explosé. Et qu'à cet endroit, il y avait une église qui, bien sûr, a été entièrement détruite. Par chance, juste après l'explosion, le père Noguchi a découvert cette statue en bois. Un désastre, non. Des centaines de milliers de morts. Et j'ai de la peine de voir qu'aucun président américain jusqu'à maintenant n'ait daigné se rendre depuis sur ces lieux. Sans cette visite, la guerre est toujours là. Cette femme envoie des messages très forts, très puissants, sur l'importance de contrôler les avancées scientifiques. Certains l'appellent Marie, Myriam ou encore Notre-Dame. Vous ne me connaissez pas. Je suis le moine sans nom. Elle, elle connaît et aime chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'en 1917, elle est apparue à Fatima, petit village perdu au fin fond du Portugal, à trois enfants. Pourquoi ? Pour leur délivrer un redoutable secret qui concerne l'humanité tout entière, que l'on soit croyant ou non-croyant. C'est ce récit qui va vous être raconté. Les personnages qui composent ce récit ont existé ou existent encore, ce qui lui donne une redoutable actualité. Thank you.
suis pané journaliste, je suis devenu par accident. 15 jours de coma, une moto coupée en deux, et de mon côté, aucune égratignure. 2 mois plus tard, j'atterris dans une école de journalisme pour un métier que je n'avais pas choisi. J'aurais été incapable d'en faire un autre. Dans ma famille, on était ingénieur ou rien. J'allais donc devenir rien en devenant journaliste. Ma ligne éditoriale depuis 20 ans donnait envie d'agir avec de vrais héros de nos sociétés. Ou faire des enquêtes. Okay. Severino Diaz. Je m'appelle Severino Diaz. J'ai 64 ans. Le patient ne se préoccupe pas des prix, il connaît le résultat de l'opération. C'est pas cher et c'est accessible à tous. L'extrême violence de son assassinat a mis en lumière la pertinence d'une intuition quasi révolutionnaire. J'ai été témoin d'euthanasie illégale. Les plantations de Monsieur Auroi sont bordées par la célèbre passe aux requins, chère aux cinéastes. Et pour se rendre au vignoble, un seul accès, il faut traverser la passe. Et elle vit au jour le jour, sans chercher à briller. Et en 2010, voilà sur quoi je tombe. L'info du moment, vous l'avez vu partout, c'est ça. Quelques gouttes perlent sur le front et les joues de la Vierge Marie. C'est partout, 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 le tableau d'une Vierge suinte de l'huile chez un particulier de Garges-lès-Gonesse. Et pas n'importe quelle huile, de l'huile d'olive. Autant vous dire que dès que ça touche à la bouffe, on enquête. Et en effet, de l'huile coule. Bon, on s'est permis d'enquêter dessous, nada, derrière, nada, dans le placard, rien. Nous avons rempli un mug d'huile et hop, vous rajoutez 2 œufs frais, un peu de poivre, de la moutarde, vous battez le tout et... Tadam ! Vous avez une superbe mayonnaise. Salut, c'est Dieu. Oui, monsieur, il y a un problème ? La dérision comme explication, on se rassure comme on peut. C'est ce fait divers qui va me conduire à m'intéresser de plus près à cette femme que certains appellent Notre-Dame. Je décide donc de me rendre à Garges-lès-Gonesse, mais j'arrive accompagné. Je débarque avec un huissier de justice et son clerc et la bénédiction du propriétaire de l'icône qui lui en a vraiment marre des salades des médias. Je découvre une famille installée en France depuis quelques années et originaire d'Antioche, en Turquie. Antioche, qui n'est autre que le berceau du christianisme. L'icône vient de Grèce, elle a été offerte par un ami de la famille, un prêtre orthodoxe. L'icône a un nom ? Le nom de l'icône. La Mère de la Lumière, d'accord. Ouais. Okay. C'est donc une icône que vous avez de famille, de... Vous voyez, les huissiers de justice interviennent dans toutes sortes de situations. Va chercher du coton. 20 ans d'activité, c'est la première fois, oui. Après avoir vérifié que l'icône était bien isolée de tout contact extérieur et loin de toute source de chauffage, l'huissier pose les scellés. Pas tous les jours qu'on ferme des... C'est pas tous les jours qu'on enferme une icône pour être certain qu'elle soigne bien toute seule. On va mettre le sceau en cire de l'étude. Tout et n'importe quoi aura été écrit sur ce dossier. Premier constat, je découvre que cette icône de la Vierge a déjà quelques vertus, comme celle de rassembler dans une même prière chrétiens et musulmans. Si, Myriam. Oui. Moi, je donnais pour ma petite fille Myriam, le prénom Myriam. Tous les musulmans, ils croyaient Myriam. Sept jours plus tard, c'est déjà l'heure de la récolte. Et elle est plutôt bonne. L'huissier de justice récupère 30 centilitres d'un liquide qui ressemble bien à une huile et dont la quantité clôt définitivement le débat sur les origines naturelles de ce suintement. Reste maintenant à analyser ce liquide qui va prendre la direction des labos. Affaire réglée, il n'y a plus qu'à attendre les résultats. D'où vient cette huile ? En matière de faits inexpliqués, les experts sont à Lourdes.
cap au sud. Là-bas, ils enquêtent et décortiquent depuis plus d'un siècle les guérisons inexpliquées pour savoir si oui ou non, c'est un miracle. Ce lieu est mondialement reconnu non pas pour son huile, mais pour son eau. Ici, ce n'est pas une icône de la Vierge qui est concernée, mais une femme qui a fait jaillir une source au pied d'une grotte. Son nom, Immaculée Conception. Bienvenue à Lourdes, la seule usine à miracles du monde. Pourtant ici, il n'y a rien à vendre. Aucun gisement de pétrole, pas de parc d'attractions, il n'y a qu'une grotte et de la flotte. Résultat, ce lieu perdu est devenu la deuxième ville hôtelière de France après Paris. 7 millions de visiteurs, 7000 guérisons dites inexpliquées et des millions de personnes à faire trempette dans une eau glacée. Qui plus est, des personnes infectées par tous les microbes de la planète. Et le miracle n'est pas forcément là où on l'attend. Le médecin a-t-il déjà connaissance de cas de contamination dans la piscine, dans les piscines de Lourdes en 150 ans ? Écoutez, ça peut être arrivé, mais je n'ai pas connaissance. En mes connaissances, non. Je pense que s'il y aurait été une infection, une épidémie qui partait des piscines de Lourdes, je pense qu'il aurait fait premier titre sous les journaux du monde. Pas de contamination, une épidémie de miracle, le médecin-chef de Lourdes refait les comptes. 70 millions de pèlerins, 7000 guérisons inexpliquées, 70 miracles reconnus. Là, il y a un problème, je pense, statistique. Qu'est-ce qui arrive au but de la chaîne? Pourquoi seulement 70, 69? C'est pas comme ça. Ça signifie étouffer lourd dans les statistiques. C'est tomber dans le péché du positivisme contemporain qui cherche de tout mesurer. Mais comment vous pouvez mesurer le cœur avec des statistiques? Par contre, j'avoue que, au-delà du médical, chaque miracle officiel de Lourdes, c'est un enseignement d'un évêque. Chaque miracle, c'est une histoire d'opportunité pastorale en soi-même. À Lourdes, ce sont donc les chiffres qui questionnent. D'un côté, 69 miracles reconnus par les évêques, et de l'autre, 7000 reconnus par des scientifiques de toute croyance. Pourquoi une telle différence ? J'ai voulu donc voir à quoi ressemblait un miracle reconnu par la science et qui porte le nom profane de guérison inexpliquée. Je vous présente Violaine. Hier, elle était en fauteuil roulant, condamnée par la médecine, atteinte d'une sclérose en plaques, elle était quasiment aveugle. Ultime démarche, sa famille l'emmène à Lourdes pour la première fois et contre son gré. C'était un peu comme je me l'imaginais. J'ai beaucoup, beaucoup souffert. Il y avait tous ces gens qui souriaient, qui avaient l'air gentils. On aurait cru qu'ils étaient là pour gagner leur paradis pour plus tard. En fait, moi, j'étais dans mon fauteuil, j'avais l'impression que j'allais recevoir des cacahuètes. Et puis les gens à genoux aussi, pendant la messe. Mais je trouvais ça atroce, quoi. Du coup, j'ai beaucoup pleuré. Et puis un jour, on était à la messe, devant la grotte où j'ai refusé d'aller. Et là, il s'est passé un truc, j'ai regardé la statue, et j'ai eu comme l'impression qu'il y avait deux bras qui me prenaient, qui me serraient. Deux bras de tendresse, d'amour. Il m'est arrivé une chaleur dans le cœur et physique, en fait. Et j'ai réalisé en regardant la statue que c'était Marie. Et Marie me prenait vraiment, physiquement, dans ses bras. Du coup, là, j'ai pleuré. Mais je pleurais plus parce que j'étais pas bien. Je pleurais parce que la Wonder Woman que je voulais être, c'est-à-dire celle qui sourit toujours, qui est un exemple avec son fauteuil et ses enfants, eh ben non, elle lâchait tout. C'était un enfant qui souffrait. Violaine rentre chez elle, le cœur guéri, mais le corps toujours sans vie. Un an plus tard, c'est elle qui décide cette fois de retourner dans la cité mariale pour se jeter à l'eau, dans les piscines. Puis d'un seul coup, à mi-chemin, les pieds dans l'eau froide, j'ai senti un amour, mais comme s'il y avait quelque chose qui me transportait. Je savais, de toute façon, j'avais plus de corps. J'avais juste la sensation, une sensation d'amour. D'ailleurs, c'est très difficile à raconter. C'était tellement fort, tellement puissant cet amour divin que mon cœur il est petit quand même. Donc il n'arrivait pas à tout contenir. Et j'ai cru que j'allais mourir étouffée, les pieds dans l'eau froide, tout simplement. Ensuite, quand je suis sortie, j'ai regardé tout autour de moi, il y avait comme un espace temporel différent. C'est-à-dire que j'avais un décalage, les gens parlaient et moi je les entendais, mais à peu près 10 minutes après. Il y avait un décalage, je ne sentais plus rien, j'avais l'impression de flotter. Par contre, j'ai eu une douleur au niveau des jambes, j'avais jamais eu une douleur aussi violente de feu, et les yeux qui m'ont brûlé, pas possible, pendant le quart d'heure qui a suivi, puis après, plus rien.
Nickel. Je suis sortie, j'ai rejoint les rangs, entre guillemets. On a repris les fauteuils, tout ça. Par contre, j'avais pas les mots. J'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé, mais vraiment, j'avais l'impression que j'avais vu Jésus et qu'il m'avait dit « Eh ben, tu vois, je t'aime. » Il m'a vraiment dit qu'il m'aimait. Moi, une espèce de pécheresse qui avait été mariée, divorcée, qui avait eu un enfant en mariage, il m'aimait, moi. Alors là, mon bonheur, il était total. J'en demandais pas plus. Et au niveau de la maladie, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Mais en fait, dans l'heure qui a suivi, on a le fauteuil roulant, on était les premiers, il a crevé. Donc on a dû changer de... On a pris une petite berline, là. Et en fait, on m'a posé, avec bien des précautions, sauf que ben, je tenais debout. Donc là, ça a été déjà... J'ai dit, mince, je tiens debout, c'est pas normal. Et là, je me suis dit... Ah ouais, avec ce que j'ai vécu, j'en ai plein le cœur, c'est l'effet lourde, je me sens bien. Ça, c'était la première chose que j'ai pensé. Par contre, c'est le lendemain. Le lendemain, je me suis retrouvée dans les toilettes, sans aide. Ça, c'est pas possible. Le carrelage était froid, chose bizarre, j'avais pas de sensation. J'ai appelé à l'aide et puis en fait, je me suis aperçue que je tenais debout, j'arrivais à marcher et que je voyais tout ce qui se passait autour. Je voyais comme quand on va au cinéma... voir un film en 180 degrés. C'était tout simplement énorme. Alors je suis allée me remettre dans mon fauteuil en disant waouh, ça a l'effet lourde, c'est super. Mais par contre, j'en parle à personne parce qu'on va me prendre pour une folle. Et de toute façon, les miracles, c'était vraiment pas pour moi. Enfin, j'y croyais pas en plus. Donc bah, je profitais. Tout au long de mon séjour, je me suis dit si ça dure, même jusque demain, eh ben, c'est formidable. Cette guérison immédiate, totale et irréversible a donc été reconnue par plusieurs scientifiques internationaux comme réellement inexplicable. L'évêque, dont dépend Violaine, n'en fera pas un miracle pour autant. Il attendrait une opportunité. 70 pour 7000, les opportunités chez ces pasteurs sont donc plutôt rares. Pourquoi ? Pourquoi depuis 1858 ces guérisons par milliers ? Et pourquoi cette attitude prudente du clergé ? Si à Lourdes, la Vierge guérit grâce à son eau, j'apprends qu'à Fatima, au Portugal, elle a séché 70 000 personnes au propre, comme au figuré. Cette date va marquer l'histoire et continue d'interroger le présent. Au programme, un grand miracle annoncé 3 mois à l'avance par une dame apparue à ses 3 petits bergers. Ce 13 octobre, sans radio, ni télé, ni réseaux sociaux, ils sont pas moins de 70 000 personnes à être à l'heure au rendez-vous et sous la pluie. Une foule de curieux, de sceptiques et de croyants, ils vont tous en prendre plein les yeux. J'avais 9 ans à peine. Le soleil s'était détaché du ciel et il allait bientôt percuter la terre. J'ai couru me mettre au milieu des gens, tous pleuraient, tous s'attendaient à la fin du monde. À côté de moi, il y avait un non-croyant. Il avait passé toute la matinée à se moquer des gens. Mais lui aussi était paralysé, abasourdi, les yeux braqués sur le soleil. Ici, ce n'est pas l'eau qui guérit, mais le feu qui l'a fait disparaître. Nous étions tous trempés. La pluie n'avait cessé de tomber depuis l'aube. Et quoi que cela puisse paraître incroyable, après ce grand miracle, tous nos habits étaient complètement secs. Je me pose 2 minutes pour faire un point. En clair, nous avons 3 jeunes bergers qui ne savent ni lire ni écrire et qui n'ont rien de prophète. Depuis le 13 mai 1917, ils disent voir la Vierge tous les 13 de chaque mois. Les enfants n'étant pas crus, ils vont donc demander à Notre-Dame, le 13 juillet 1917, d'intervenir afin de faire taire les mauvaises langues. Et non seulement la Vierge les rassure en leur annonçant la date du fameux miracle du soleil, mais elle va plus loin. Elle leur livre un secret. Et un secret qui va vite semer le trouble. Le gouverneur Olivier Santos jette les enfants en prison dès le mois d'août, les privant ainsi de l'apparition. Quel paradoxe! Un gouverneur non-croyant qui somme 3 enfants de lui révéler ce en quoi il ne croit pas une seconde. Surprenant, non? Et pour cela, il va y mettre les moyens. Il va même jusqu'à les menacer de mort. Plus surprenant encore, c'est la réaction de ces 3 enfants qui ne vont pas céder, qui ne vont pas varier d'un iota de leur récit.
Quel est donc ce secret qui donne du courage à des enfants coupés de leur famille et menacés de mort? En cherchant, je découvre que ce n'est pas qu'un simple secret, mais qu'il contient trois parties bien différentes qui vont marquer les esprits avec des expériences au-delà de l'imaginable. Pour commencer, la Vierge leur fait une petite visite guidée dans des lieux mal fréquentés, un peu chauds, et auxquels plus personne ne croit aujourd'hui. Bienvenue en enfer et au purgatoire. Vimos dentro de um oceano de fogo os demônios e as almas como se fossem transparentes. As almas paravam no céu, sobrelevado pelas labaredas, com gritos esmeros que aterrorizavam e faziam tremer de medo. Foi horrível, horrível. Se a Virgem não nos tem permitido levar com ela para o céu, teríamos morrido de medo. La Vierge en profite pour annoncer à François et à Hyacinthe qu'ils vont bientôt la rejoindre au paradis. Les deux petits bergers sont ravis, ils meurent 2 ans plus tard de la grippe espagnole. La petite Lucie est désormais la seule gardienne du secret. La deuxième partie du secret annonce la fin de la Première Guerre mondiale et l'arrivée d'une seconde, et d'une façon précise. La Seconde Guerre mondiale commencera en 1938 par l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Le pape Pie XI, lui, meurt le 10 février 1939. La Vierge avait été encore plus précise. La guerre sera précédée d'une nuit illuminée par une lumière inconnue. Et le 25 janvier 1938, une aurore boréale allait faire la une de tous les journaux. Mais ce n'est pas fini. Ce même 13 juillet 1917, Notre-Dame de Fatima demande au pape, par l'intermédiaire de ses enfants incultes, de lui confier la Russie à son cœur immaculé. Les enfants ignorent le sens du mot Russie, ils sont persuadés que c'est le nom d'une femme. La Vierge semble prévenir du danger du communisme. La révolution d'octobre n'a pas encore commencé. Брызжет из глаз искрами и слова насыщены. Where Lenin's power is absolute. This is the dictatorship of the proletariat, a power won and maintained by violence, power that is unrestricted by any laws. To many Soviet secret police groups becomes active. Arrest without charge, imprisonment or exile without trial, disappearance without explanation. Was brutal. But within 3 weeks, the Soviets liberated the eastern part of the city. Le communisme se répand. Le pape ne consacrera pas la Russie au cœur immaculé de la Vierge. En juin 1943, tombée gravement malade, Lucie, devenue religieuse, informe son évêque, l'évêque de Lérat, qu'il peut, s'il le souhaite, prendre connaissance du troisième secret. Le prélat refuse, préférant attendre 1960. Qui refuserait de connaître un secret qui a déjà pris à partie 70 000 personnes avec ce fameux miracle de la danse du soleil? L'unique gardienne du secret se tourne alors vers Rome. Même réponse, le pape lui aussi n'est pas pressé de connaître ce secret, et préfère attendre 1960. En 1957, brusque réveil de Rome, soit 3 ans avant que l'évêque de Lérat n'ait prévu de communiquer ce secret au monde entier. Le Vatican ordonne à l'évêque de Lérat de lui remettre tous les écrits de Sœur Lucie ainsi que ce troisième secret. Raison invoquée ? Question de sécurité. Comme dira le nonce à l'évêque de Lérat qui se voit obligé de laisser filer ce secret pour Rome. Question de sécurité. L'année fatidique arrive, l'année où le troisième secret de Fatima doit être révélé au monde entier.
la dernière des voyantes, Sœur Lucie, est toujours en vie. Coup de théâtre, le Vatican fera un communiqué de presse anonyme indiquant que le troisième secret restera toujours secret. Intéressant, non? Aucune explication. Personne au Vatican pour assumer la responsabilité de cet enterrement. Des millions de fidèles doivent se contenter d'un vulgaire communiqué de presse. De 1960 à 1967, aucune explication ne filtre du Vatican. Silence radio complet. Il est encore mieux dans ce communiqué. Il y est précisé qu'il est fort probable que la lettre ne soit jamais ouverte, ce qui est totalement faux. Le pape Jean XXIII, en personne, l'avait ouverte en 1959. Il y a mieux encore. Il y est précisé que l'une des raisons du refus du Vatican d'ouvrir cette lettre est que Sœur Lucie est encore vivante. Alors là, c'est le bouquet. Sœur Lucie était vivante lorsque les deux premières parties du secret ont été révélées. Au Portugal, l'évêque de Leyra mesure son erreur d'avoir laissé filer à Rome la troisième partie du secret, alors que c'est lui qui en avait la responsabilité. Sa réaction est immédiate. Il écrit aux évêques du monde entier et prépare à Fatima une manifestation monstre le 13 octobre 1960 pour tenter de faire plier le Vatican. Et ce 13 octobre, jour anniversaire de la danse du soleil, ils sont 600 000 à vouloir savoir cette ultime partie du secret. Un an plus tard, la Vierge refait parler d'elle, pas très loin de Fatima, en Espagne, à Garabandal, petit village perdu comme Lourdes et Fatima. Je suis sur la bonne piste. Quatre fillettes sont ici concernées. Si à Fatima, il n'y avait pas encore de caméra pour capter les effets spéciaux du soleil, à Garabandal, il y a du monde derrière les objectifs et ils vont être gâtés. Car ici, c'est une grosse production, du Hollywood avant l'heure, mais sans effets spéciaux. Les enfants vont vivre des extases de jour comme de nuit, 2000 au total. Ils marcheront en arrière sans jamais trébucher, le nez dans le ciel et la bouche, toujours en pleine conversation. La Vierge est accompagnée par un ange, et non des moindres. Il se présente aux enfants comme étant l'archange Saint-Michel. Selon le livre de l'Apocalypse, il est le bras armé de la Vierge, celui qui bataillera à la fin des temps. À Garabandal, pas de secret, mais trois prophéties. Un avertissement, un grand miracle et un châtiment. L'ange se veut toutefois rassurant. Dieu n'envoie rien par la peur, dit-il aux enfants, mais par amour et justice. I think we lost a lot at like the sing of the sing. We lost like a lot of the sing of the sing, a sing no more, you know, like we don't to spoil, we don't do sacrifice. Do you mean we've lost a sense of sin? Yes. Yes. Mother gave us the message that July 4th, and she said to us, give it you October. And the first message is, I don't say in Spanish, but I can say in English. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. And this big miracle, do you know when it's going to happen? Yes, I know the year is going to happen, I know the day, but the Blessed Mother said tell 8 days before. On est donc prévenu. À Garabandal, comme à Fatima, la Vierge annonce des événements à l'avance. Mais à quoi bon ces annonces prophétiques si personne n'est mis au courant et si les médias décident de ne pas relayer l'information? En attendant, la fillette de Garabandal a grandi aux États-Unis, à New York, comme une mère de famille ordinaire. Et aujourd'hui, toujours pas d'annonce. Conchita a 69 ans, 4 enfants, et vit sur Long Island. Elle refuse toute interview à la demande de Mère Teresa, qui a été sa conseillère spirituelle pendant 30 ans et marraine de sa fille aînée. La famille vit ici, dans l'une de ses maisons. J'ai pu m'entretenir avec Conchita pendant 2 heures,
elle m'a confirmé une information. Le troisième secret de Fatima aurait été lu par le président Kennedy, Churchill et Khrouchtchev. Toujours est-il qu'en 1963, un traité d'interdiction partielle des essais nucléaires était signé. À Rome, toujours aucune nouvelle du troisième secret, ce qui n'empêche pas le pape Paul VI de venir à Fatima célébrer le 50e anniversaire des apparitions. La foule espère sans doute qu'à cette occasion, le pape lèvera le voile sur le troisième secret de Fatima. Il n'en saura rien. Mieux, sur Lucie, la dernière des voyantes, ne réussira pas à obtenir une audience pendant toute la durée de ce séjour par le souverain pontife, alors qu'elle le supplie à genoux. Un secret trop lourd, sépare sans doute ces deux personnes. Ce secret m'intrigue de plus en plus. En poursuivant mon enquête, j'apprends que la dernière des voyantes de Fatima ne sait plus trop à quel saint se vouer. On aimerait tous connaître ce secret. Apparemment, il doit peser un certain poids, car à la fin de l'année 1943, Sœur Lucie a toujours beaucoup de mal à le mettre par écrit. Elle-même, elle n'a pas voulu en prendre la responsabilité et elle attend un ordre de son évêque, lequel ne semble pas très pressé non plus de connaître ce secret. Il mettra près de 4 mois avant de lui en faire la demande express. Et là encore, Sœur Lucie se retrouve comme bloquée devant sa page blanche. Pour elle, l'écrire, c'est comme si elle le révélait. Quand on sait qu'elle a eu aucune difficulté pour écrire les deux premiers secrets qui annonçaient pourtant la Seconde Guerre mondiale et l'anéantissement de plusieurs nations, on se doute que la suite ne doit pas être très drôle. J'étais à mille lieues d'imaginer que l'icône de Garges-Légonesse allait me conduire 2 ans plus tard au Japon, ma première visite en 24 ans de journalisme. Et je découvre ici que la Vierge a de l'humour. Si personne ne semble l'écouter, elle va faire parler une sourde, sans doute pour mieux se faire entendre. Je pars dans ce pays qui a déjà expérimenté le pire avec la bombe nucléaire. Là, c'est une statue de la Vierge importée des Pays-Bas qui va défrayer les chroniques. Son nom, Notre-Dame de tous les peuples. Son port d'attache, Akita, au nord-est de Tokyo. Son lieu de résidence, le couvent des Sœurs de l'Eucharistie. Il n'y a personne quand j'arrive sur les lieux. La porte est entrouverte. J'entrerai presque par effraction pour voir celle que des millions de personnes ont vue pleurer devant leur poste de télévision. Notre-Dame de tous les peuples, inconsolable pendant plus de 7 années. Cette statue en bois se soumettra à tous les examens. Et on peut faire confiance aux Japonais pour ne rien laisser au hasard. La statue a été scannée, les larmes analysées, sans une lacrymation au total. 3 groupes sanguins ont été décelés, le groupe B, O et AB. 30 ans après ces événements, personne ici ne semble s'en souvenir. Oh, it's the first time to hear that story, and I've been studying the Japanese version, including Japanese Christianity, but I was just this first time to hear that kind of story, which happened in Akita. Akita no Maria sama, I don't know much about it, so such a message was there. You don't know much about it, right? Ça n'attire pas beaucoup de monde. Attention de beaucoup de monde. Car ici, comme partout ailleurs, c'est le dieu de la consommation qui est invité à tous les étages. Beaucoup plus efficace que des larmes silencieuses. Et rien ne lui échappe. Il contrôle tout. Pourquoi elle a choisi le Japon pour faire pleurer des statues en bois ? Oh, la Vierge choisit toujours comme à Fatima ou comme à Lourdes, lieu un peu isolé. Isolé de tout. Ici, pourtant, Notre-Dame de tous les peuples va révéler à cette femme sourde un message explosif, à ne plus jamais dormir. Thank you.
もし人間が後悔や改善することをしないのなら、父なる神は人類にひどい罰を課すだろう。それは洪水よりもひどい。火が空から落ち、人類の大部分を絶滅させる。生き残った者は死者を恨むだろう。Le ciel qui percute la terre, c'est exactement ce qui a failli se passer à Fatima. Entre-temps, la science a fait quelques progrès. Le réchauffement du système solaire inquiète les plus diplômés. Au Japon comme ailleurs, personne ne semble avoir entendu parler de ces larmes et du message qui les accompagne. Ça n'intéresse personne. Kikuchi avec qui ? Quel a été le vainqueur de la coupe de je ne sais quoi en 1986 ? Ça c'est capital, on fait des prodiges de mémoire. C'est à qui retiendra le nom des vainqueurs ? Bon, ça c'est capital. Mais Dieu, qui voulez-vous que ça intéresse ? Dieu peut s'agiter, faire des miracles incroyables. C'est totalement oublié, c'est dans les faits divers. C'est comme les chiens écrasés. L'évêque du lieu, Monseigneur Ito, qui a assisté à ces lacrymations, valide ces apparitions. Rome se doit d'entériner la décision de son représentant local. C'est ainsi que Notre-Dame de tous les peuples est entrée dans le cercle très fermé des apparitions reconnues. Il n'y en a que 17 au total, sur plusieurs milliers recensés. Mais ce n'est pas fini. Notre-Dame de tous les peuples, à travers l'handicap de Sœur Agnès Sasagawa, va délivrer un autre message. Pourquoi ces messages terrifiants ? Aussi bien pour l'humanité que pour la plus grande institution du monde et son milliard d'âmes. Pourquoi cette femme, qui continue d'apparaître dans le monde entier, parle ici d'une infiltration diabolique? Qui est derrière cette infiltration? Le diable? Qui y croit encore? Je remarque un point commun entre le secret de Fatima et le message d'Akita, tous les deux semblent être ignorés, étouffés. Si l'un est secret, l'autre ne l'est pas, et pourtant, personne ne semble le connaître. Paul VI vient de mourir, emportant avec lui le troisième secret. Au Vatican, désormais, on a du mal à distinguer le blanc du noir. Cette fumée était ni blanche ni noire. Il y a eu une incertitude assez grande. L'élu s'appelle Albino Luciani. Bonne nouvelle, le nouveau patron de l'Église catholique a déjà rencontré Sœur Lucie, contrairement à son prédécesseur. Une rencontre qui l'a d'ailleurs bouleversé, et à l'époque, le cardinal qu'il est se fait une promesse. Jean-Paul Ier sera vite surnommé le pape souris. Mais dans les coulisses, il y en a qui font grise mine. Le nouveau pape veut réformer la curie et mettre de l'ordre dans les finances du Vatican. Il n'en aura pas le temps. 33 jours de pontificat plus tard, il est réduit au silence. Une mort suspecte. Un journaliste connu pour ses investigations va mener l'enquête dans les couloirs du Vatican pendant 3 ans. Il s'appelle David Diallop. En 1984, il en publie le résultat dans un livre qui devient un best-seller mondial. Corruption, réseau mafieux, assassinat. Le tableau n'est pas sombre, il est noir. Who killed John Paul I? The physical act, I don't know. I don't know who actually put poison into a drink for him like that. But the people behind that act are quite clear to me that they are Masons. Licio Gelli, it was the man running P2. P2 was a private Masonic lodge. He was the one, in my view, and I've said it in black and white, 34 years ago, and never a blink from Mr. Gelli. I said, you should be able to, if what you're saying is right and I'm wrong, it should be easy for you to demonstrate that.
And I asked them to take note of this. If the Vatican can prove me wrong on just two simple questions of fact, if they can prove that my account of who found the dead body of Albino Luciani is incorrect, and can prove that my account of the papers he was holding in his hand is incorrect, then I will donate every penny of my royalties from the sales of this book to cancer research. Now, this book has sold nearly 7 million copies, and I have yet to pay the Vatican a penny. Pour David Diallop, c'est une religieuse qui découvrit le corps sans vie du pape et non le cardinal Villot, selon la version officielle, c'est-à-dire du même cardinal. Le document que le pape tenait dans les mains portait sur les mutations et sur les nouvelles nominations au sein de la curie. Le cardinal Villot allait être remercié, il restera en poste, refusera toute autopsie et procédera sur le champ à l'embaumement du corps. The mafia did not mind me attacking the church, but they didn't want me to attack the mafia. The church didn't mind me attacking the mafia, but they didn't want me to attack them. So I attacked both of them, to be fair-handed. Si cet homme est encore en vie, d'autres ont eu moins de chance. Ce journaliste s'appelle Carmine Pecorelli, ancien membre de la loge P2. Il sera assassiné le 16 mars 1979, après avoir révélé dans sa revue une liste de 110 hauts prélats appartenant à la loge. Son successeur, sait-il ce qu'il attend? Sur son blason, il choisit ses armes. Ce sera le M de Marie. Il confie son pontificat à la Vierge, mais décide de ne pas révéler le troisième secret. La Vierge va se rappeler à son bon souvenir, et d'une façon très ciblée. 13 mai 1981, jour anniversaire des apparitions de Fatima, le pape polonais va être touché à bout portant par deux balles. Son meurtrier, le tueur Ali Aksa, ne comprend toujours pas comment il a pu rater sa cible. Un an plus tard, le pape lui rend visite, lui donne son pardon et lui dit simplement qu'il avait choisi la mauvaise date, le 13 mai, anniversaire de Notre-Dame de Fatima. Le jour de l'attentat, le pape tombe dans les bras de son secrétaire particulier. Il reconnaît aujourd'hui qu'il n'aurait jamais dû survivre à cet attentat. I w Dżemeli przygotowano miejsce na wypadek, tak, że po prostu było miejsce przygotowane. A krew zawsze była, grupa krwi gotowa, nie w Watykanie, tylko w szpitalu Gesù Bambino. Myślałem się, jak pomóc, co zrobić. No, wszyscyśmy to bardzo przeżywali. Le pape, sur son lit d'hôpital, demande à relire le secret de Fatima. Il va alors faire une découverte, du moins en croire son secrétaire particulier. Bo nie mógł zrozumieć, dlaczego nie zabił. Czy to prawda? Ja jeszcze studiował całe przesłanie fatimskie i zastanawiał się, dlaczego nie uczyniono tego, czego żądała Matka Boża. A Matka Boża w Fatimie żądała, aby Rosja była konsygnowana niepokalanemu sercu Maryi. Nie wiem, dlaczego tego nie dokonano. Dokonał tego Jan Paweł II. W jaki sposób? Żeby to zrobić, to trzeba było tego cierpienia z pracy świętego Piotra. Jean-Paul II s'y prendra à deux reprises pour faire cette consécration demandée par la Vierge en 1982-1984, mais sans jamais prononcer le mot de Russie, apparemment tabou. Juste avant de quitter le fidèle compagnon du pape, nous lui demandons s'il a entendu parler de Notre-Dame d'Akita. Un mois après l'attentat, la Vierge refait signe sur un territoire qui a déjà vu naître une guerre mondiale. Elle apparaît à quelques kilomètres de Sarajevo. Ici,
6 enfants sont concernés. Nous sommes sur un territoire où la religion est très surveillée. En 81, ils avaient entre 6 et 15 ans. Aujourd'hui, ils en ont 40. Du jamais vu, ce seraient donc des apparitions non-stop et avec des messages d'amour à répétition. Les temps changent. 2 millions de pèlerins, pas de messages catastrophiques, mais un appel à la prière, au sacrifice et aux jeûnes. Cette femme dit voir la Vierge depuis 1981 et elle prie non pas pour les non-croyants, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. La Vierge invite les pèlerins à ne pas juger ceux qui ne croient pas et à croire en l'amour infini du Père. Lors de la première apparition, elle invitait les enfants à prier pour la paix dans cette région. 10 ans plus tard, la Yougoslavie est le théâtre de la barbarie. Aujourd'hui, cette terre libérée de l'athéisme communiste n'a rien à envier à Lourdes ou Fatima. Comme on n'a pas écouté la demande de consécration, on a payé très cher notre non-écoute de ce message. Qu'est-ce qu'elle fait à Medjugorje ? Elle revient, elle prolonge ce qu'elle a commencé à Fatima, et là, elle s'est dit, ce coup-ci, c'est pas question de seulement leur donner un programme et de leur dire en 3 paroles le chemin à suivre pour avoir la paix dans le monde, je vais les former. Et ici, elle vient tous les jours, maintenant depuis 1981, elle vient chaque jour voir plusieurs des voyants afin de former un peuple. Et elle forme les apôtres de son triomphe. À Fatima, elle a annoncé son triomphe. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ça, c'est la plus grande prophétie de l'ère chrétienne, on peut dire. Après Jésus, après les apôtres, bien sûr. C'est la plus grande prophétie venant de la Mère de Dieu. Elle sait et nous le dit qu'elle triomphera. Elle est la femme appointée par Dieu pour écraser la tête de Satan, la traite du serpent. Elle et sa descendance, faut pas l'oublier, nous faisons partie de ça. Donc ça va arriver. Maintenant, à nous de hâter le temps. Je ne suis pas pressé d'arriver à cette confrontation finale. J'apprendrai qu'ici, la Vierge a aussi délivré des secrets qui seront révélés une semaine avant leur réalisation. Une responsabilité qui incombe à cet homme dont le sourire et la joie apparente me rassurent. Il a été choisi par les voyants pour révéler au monde les 10 derniers secrets de la Vierge. Un franciscain, bientôt prophète donc, mais qui en attendant ne manque jamais une occasion pour bousculer les visiteurs. Jučer kažu da se rodio 7 milijardi ti stanovnik. Ma koliki ovog trenutka misle na Boga? Koliki misli da im je Bog darovao besmrtnu dušu i da će vječno živjeti? Koliki to znaju? I Gospa kaže, nemojte puno pitati kad će što će biti, nego vi učinite sve sa svoje strane da budete spremni. Le lendemain matin, juste avant de quitter les lieux, je découvre de jeunes pèlerins sur un chemin de croix à vous briser les chevilles. Tandis que dans la vallée, pour tout réconfort, une statue en bronze représentant un Christ ressuscité s'évapore. À Rome, ces apparitions non-stop sont étudiées avec la plus grande des prudences, même si ce lieu est soutenu officiellement et officieusement
par des milliers de prêtres, quelques évêques et même des cardinaux. Devant moi, beaucoup de pistes s'ouvrent avec de nouvelles questions et toujours pas de réponse ou trop peu. Ce troisième secret ne me laisse pas de répit. En suivant sa trace, je découvre que c'est 3 ans après l'attentat de Jean-Paul II qu'il refait signe et via une personne bien informée. Si je comprends bien, à cette date, le troisième secret était donc déjà connu. Pourquoi alors ne pas préciser les apparitions auxquelles le cardinal fait référence? 5 ans plus tard, la Vierge semble remettre les pendules à l'heure. Un nouveau fait divers va interpeller la curie romaine. Une petite statue de la Vierge de Bosnie, appartenant à un couple italien, s'est mise à pleurer des gouttes de sang. L'endroit n'est pas anodin, dans un petit village à quelques kilomètres seulement du Vatican. Ses larmes ont défrayé une nouvelle fois la chronique. Les analyses confirment, il s'agit bien de sang humain. Prima che lui portasse la statua in chiesa, il Papa ha voluto tenerla un giorno nella sua cappella privata in Vaticano. Suo segno molto bello, lo abbiamo saputo alcuni anni dopo. Jean-Paul II passera la plupart de son pontificat à l'extérieur du Vatican, qu'il abandonne à la curie. Il accumule les voyages à l'étranger, malgré la maladie qui commence à le ronger. Il y a une urgence chez lui à la réconciliation du monde. Cette rencontre historique. Pour la première fois, un pape dans cette capitale du Bengale. Jean-Paul II n'est pas venu transiger aux 60 millions d'Américains qui, en majorité, ne se sentent plus en communion avec la pratique de leur Église. Il est venu rappeler que sa morale religieuse ne se réforme pas comme une constitution. Et pour amener ses fidèles dans les rangs, Jean-Paul II est sur tous les fronts. Celui du rire jusqu'à la colère. Questi qui portano sulle loro coscienze tante vittime umane devono capire che non si permette uccidere innocenti. Dio ha detto una volta, non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Lo dico ai responsabili, convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio. Un nouveau millénaire sonne, rien n'y fait. Les murs de la Cité Sainte sont toujours muets. Cela fait maintenant 40 ans que le troisième secret est retenu. La grande frayeur du 13 octobre 1917 est bien oubliée. C'est donc Hollywood qui va ouvrir le bal des festivités. Un grand renfort de millions de dollars, et là, la Vierge n'y est vraiment pour rien. Voilà pour le cinéma. Côté réalité, nous avons donc eu un soleil qui danse et qui fait mine de se projeter sur la Terre, terrifiant 70 000 personnes. Une statue en bois qui pleure des larmes pendant 8 ans, et des apparitions non-stop en Bosnie avec une statue en bronze qui soigne de l'eau. Ce 13 mai, jour anniversaire des apparitions de Fatima et de l'attentat contre le pape, le cardinal Sodano annonce à l'occasion de la béatification des deux petits bergers que le Vatican s'apprête à révéler le troisième secret. Quand ? Aucune date n'est donnée. Dans les tribunes, Sœur Lucie, la dernière des trois pastoureaux, attend ce moment depuis 40 ans. Dans son message, le cardinal révèle en partie ce secret en indiquant qu'il concernait en fait la tentative d'attentat de Jean-Paul II il y a 19 ans.
qu'il s'agit d'une vision que la Vierge a donnée aux enfants et qu'elle nécessite une explication de texte pour la comprendre. En clair, que ce secret n'a rien de prophétique, qu'il concerne le passé et non l'avenir. C'est une farce. C'est évident, ça n'a rien à voir avec le vrai secret. D'ailleurs, ils finissent par annoncer qu'ils vont enfin le publier, il y a longtemps qu'ils auraient dû le faire. Et puis, il faut encore 3 semaines avant qu'ils le publient. Alors, on comprendrait si c'était en géorgien ancien, en albanais du Moyen-Âge, et qu'il faille quelques spécialistes pour arriver à le traduire. Bon, en portugais, c'est quand même une grande langue dans le monde. On manque pas de gens capables de traduire du portugais dans toutes les langues. Donc, ils l'ont trafiqué pendant 3 semaines. Ils ont sorti leur petite mouture à eux. La petite bourgade portugaise, elle, n'a pas attendu ces révélations tardives et hésitantes de Rome pour connaître un essor exponentiel. Fatima, en quelques années, est devenue un nouveau Rome. Loin de ces hésitations, alors que je me promène à quelques pas du lieu de l'apparition, je tombe par hasard sur la nièce de Sœur Lucie, la dernière des voyantes. Elle prit son chapelet, je vais lui demander si elle connaît des choses qu'elle ne peut révéler. Soube de coisas que nunca disse. Sim, senhor. 4 semaines plus tard, le grand jour est enfin arrivé. Cruciale, decisiva, come ho scritto nella presentazione e poi nel testo preciso che riferisco. Ce texte serait donc une vision que les enfants ont eue et qui évoque un évêque en blanc tué par des flèches et des balles dans une ville dévastée et jonchée de cadavres. Cet homme en blanc, selon la version officielle, serait donc le pape Jean-Paul II. On comprend bien qu'il faille une explication de texte, car Jean-Paul II n'est pas mort dans une ville en ruine et ensanglantée. Pendant plus d'une demi-heure, le cardinal Ratzinger tentera de donner quelques clés de compréhension de cette vision, pas facile à décrypter. Brèves, incisives, incisives, fortemente suggestives, dal caratteristico linguaggio simbolico. À cette conférence de presse, il y avait toutefois quelques personnes à connaître un peu le dossier, notamment cette journaliste portugaise qui interpelle le cardinal Bertone sur le choix de la date de 1960 comme date limite pour révéler le troisième secret. Cela fait 83 ans que Sœur Lucie attribue le choix de cette date à la Vierge. Invece è stata lei stessa che ha scritto la data 1900. Come dobbiamo considerarla? Grazie. En quelques mots, le cardinal va expliquer que cette fameuse date de 1960 avait été finalement décidé par Lucie elle-même. Domanda sulla data 1960 perché era un po' la data che era ritenuta cruciale, decisiva. Sor Lucia ha detto no, sono stata io, ho avuto l'intuizione di mettere io quella data perché prima non si sarebbe capito. Si sarebbe capito solo dopo. Seulement voilà, quelques années plus tard, le cardinal est en direct sur un plateau de télévision. Face aux critiques soulevées par ses explications, son éminence veut faire preuve de bonne foi en arrivant avec l'original du troisième secret. Mais voilà, sur le dos de l'enveloppe, il y a cette inscription écrite de la main de Sœur Lucie et qui indique très clairement que la date de 1960 avait bel et bien été choisie par la Vierge elle-même et non pas par une fillette de 9 ans. Per svolgere in modo più adeguato l'incarico ricevuto, si è ritenuto opportuno inquadrare il testo della terza parte. Je débarque à Milan sous la protection de Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome selon la légende. Thank you.
L'homme avec qui j'ai rendez-vous est un procureur américain qui lui aussi a planché sur le dossier, notamment sur les mémoires de Sœur Lucie. Elle en a écrit 4. In the fourth memoir of Sister Lucia, she wrote down what is clearly the beginning of the third secret of Fatima. The Virgin Mary says to her, in Portugal, the dogma of the faith will always be preserved. And then Sister Lucia ended that with the word etc. Because obviously, the Virgin went on to say many more things about the situation outside of Portugal, which indicates a crisis in the church, the crisis that we're living through now. And yet, when the Vatican published the vision in 2000, it ignored the fourth memoir. It pretended that Our Lady's reference to dogma in Portugal, and obviously a dogmatic crisis outside of Portugal, was just a notation by Sister Lucia. And the Vatican did not use the fourth memoir, it used the third memoir instead. Why would the Vatican use the third memoir when the fourth memoir was the more complete document? Sincèrement, ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils se rendent bien compte que l'Église est en pleine déliquescence, qu'elle entre peu à peu dans une crise extrêmement grave. Ils ont peur de l'aggraver en annonçant la catastrophe. Ils espèrent arriver à atténuer les dégâts, puisque toujours il y a cette possibilité laissée dans le message de la Vierge qu'on puisse non pas éviter le drame, mais qu'on puisse l'atténuer en se... Et alors il joue là-dessus en se disant, si on arrive à atténuer un peu la catastrophe, ça vaut peut-être mieux que de la révéler dès maintenant. Parmi les nombreuses questions que soulève cette parodie de révélation, il y en a une de simple bon sens. Qu'est-ce qui, concrètement, dans ce texte, était si inquiétant pour que le Vatican attende 40 ans avant de le révéler? Cette vision indéchiffrable, elle ne pèse pas grand-chose face à la vision de l'enfer et les mots de la Vierge annonçant la Seconde Guerre mondiale et la disparition de plusieurs nations. Sans conviction, je décide de prendre un peu de hauteur en me rendant dans le plus haut sanctuaire marial de la planète. Il est en France, à La Salette. Je ne savais rien de ce haut lieu et je m'attendais à tout, sauf à ça. Car ici, la Vierge est apparue enchaînée avec un marteau et une pince, manque plus que les clous. Et ici, ce n'est pas une statue qui verse des larmes, mais la Vierge elle-même. Le monde s'oublie de Dieu, n'est-ce pas? Le monde s'oublie de Dieu. À La Salette, cette femme aux mille noms a pourtant donné l'explication de ses larmes en indiquant qu'elle retenait le bras de son fils. Sur les hauteurs, j'apprends qu'elle a aussi confié un secret à deux enfants, Mélanie et Maxima, deux bergers également. Un secret authentifié bien plus tard par l'Église. Mais ici, personne n'en parle. Comment expliquez-vous qu'ici, à La Salette, on ne parle absolument pas de ce secret de... On dérange, hein? On dérange quand on pose la question. Ben, c'est une hypocrisie, tout simplement, parce que la Vierge Marie donc, a été très dure avec les prélats de l'époque. Là, pareil, vous regardez au début du secret de La Salette, les prêtres ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Je retourne au sanctuaire pour vérifier si ce message est toujours dissimulé. Dans le musée, les paroles de la Vierge sont curieusement devenues des prédictions attribuées à la petite bergère Mélanie. Des messagers transformés subtilement en prophètes, comme à Fatima, et pour mieux discréditer le secret jugé ici sans importance. Et vous parlez du secret aussi ou pas? Moi, je ne parle pas du secret, mais il y a un livre au magasin qui parle du secret. Me voilà bien. J'ai deux secrets sur les bras, l'un toujours caché, celui de Fatima, l'autre connu mais ignoré, celui de La Salette, et une Vierge qui pleure depuis 1846. Your attention please, the group from Mumbai.
if the call for the is ready for the departure. Do you know something about the secret of La Salette? No. J'étais venu faire le vide à La Salette. Je repars la tête chargée d'un secret que j'ai donc lu et dans lequel est annoncée une guerre civile en Europe où Dieu semblera avoir oublié sa créature, où Marseille sera détruite en peu de temps et où Paris périra infailliblement. À la fin des temps, est-il précisé, les saisons seront changées. Nous sommes un 15 août et il neige. Mon séjour en altitude m'a donné une curieuse impression, comme celle d'avoir grillé une étape. Une question ne me lâche pas. Comment un pape qui dit avoir été sauvé par Notre-Dame de Fatima a-t-il pu laisser derrière lui autant de questions à propos de ce troisième secret? Je décide donc de revisionner toutes les images de ce fameux 13 mai 2000, date choisie par le pape pour annoncer au monde la révélation de ce secret. Je m'arrête net sur son homélie. Tous ses propos sont consacrés à la fin des temps, l'Apocalypse. Pour le signe divin, veille de ciel à cette terre, signal, énorme dragão, a mensagem de Fátima e apel onde foram vaticinados estes tempos de tribulação. En 14 minutes, Jean-Paul II a donc fait de Notre-Dame de Fátima la femme de l'Apocalypse. Une voix tremblante mais ferme, il annonce que nous sommes bien entrés dans les tribulations de la Vierge, ce qui annonce guerre, épidémie, cataclysme. Je n'étais qu'au début de mes surprises. L'annonce de la mort pourtant attendue de Jean-Paul II est un coup de tonnerre planétaire. Les dirigeants du monde entier sont là. Les frères ennemis se croisent et se saluent. On marque une pause le temps d'une cérémonie. Tous les représentants des religions sont là pour assister à ciel ouvert aux funérailles de celui qui emporte avec lui un secret qui l'a mobilisé pendant 26 années. Personne n'a en tête son homélie du 13 mai 2000 consacrée à l'Apocalypse de Saint Jean. Pourtant, ce dernier adieu va lever le voile un peu plus sur ce secret si bien gardé. Pour cela, il suffisait de regarder la liste des absents. Les présidents russes et chinois manquent à l'appel, deux pays qui ont répondu l'athéisme communiste. Une même bannière qui allait partir à la conquête du plus grand gouvernement mondial, qu'est le Vatican. Plus d'1,2 milliard de fidèles, un réseau planétaire et structuré, une richesse qui n'est plus à démontrer. Dès les années 30, Lénine partira à l'assaut de cette forteresse, comme le rappelle cette femme, ancienne dirigeante du Parti communiste américain. 40 ans plus tard, tous les partis communistes de la planète s'y mettent. Un confrère, le professeur au grand séminaire d'ici, les Moulineaux, me racontait qu'un soir de Noël, après l'office particulièrement solennel et beau évidemment, alors que tous les séminaristes étaient repartis dans leurs cellules, il y en a un qui s'attardait et qui a voulu absolument rencontrer son fils, son père spirituel. Alors il a tambouriné à la porte, l'autre qui était déjà couché lui a ouvert, et là il s'est effondré en larmes en disant « Mais... quand je suis venu au séminaire, je n'étais pas croyant, j'étais envoyé par le Parti communiste. Et voilà que maintenant, ben, je suis bouleversé, je commence à croire, voilà, à vous rejoindre. » Et il avait ajouté, « Mais je ne suis pas le seul au grand séminaire dans cette situation-là, il y en a d'autres. » Mais il avait refusé de donner le nom de ses autres camarades communistes infiltrés au grand séminaire. Combien sont-ils? Nul ne le sait. À cette cérémonie que j'ai suivie depuis mon poste de télévision, une image m'a particulièrement marqué. C'est ce livre ouvert, un évangile qui curieusement va se refermer tout seul, comme si tout avait été dit et révélé. En allant chercher la source de l'athéisme communiste, j'allais découvrir ce livre écrit par un pasteur protestant et qui révèle des poèmes étranges. Si pour Karl, la religion était bien l'opium du peuple, Marx lui disait croire au diable. Croire au diable et refuser Dieu, c'est somme toute logique. On ne peut pas aimer les deux. Qui t'a mené le monde à la ruine? Oui, ce monde qui fait écran entre moi et l'abîme. Je le fracasserai en 1000 morceaux à force de malédiction. Ainsi, j'ai perdu le ciel, je le sais très bien.
mon âme naguère fidèle à Dieu a été marquée pour l'enfer. Ce livre avec ses références me font tomber de haut. Si j'avais encore quelques doutes, ils vont vite être levés. Car j'ai réussi à convaincre un exorciste attitré de me laisser filmer en caméra cachée des séances qui me rappellent un film célèbre. Nous sommes quelque part en Italie avec une jeune femme qui en quelques secondes va se transformer en furie. 5 hommes pour la retenir, tout juste suffisant. Je sto mangiando tutti i muscoli. Quando niente di Gesù, perché sono figlio dei immondissimi spiriti. No, perché ce l'hanno ricordato dentro? Signorsi. J'apprendrai que cette patiente se fait exorciser depuis 7 ans, sans succès. Ses démons sont toujours là. Je file à Rome en espérant rencontrer l'exorciste officiel du Vatican. Pas de chance pour moi, il est malade depuis 6 mois, donc impossible de le rencontrer. J'aurais bien aimé, car cet exorciste s'est confessé dans un livre qui, curieusement, n'a pas fait grand bruit. Alors que pour moi, les informations qu'il contient sont explosives, tout un chapitre est consacré aux satanistes du Vatican. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Je réalise que l'Église, avec son plus d'un milliard d'âmes, constitue le plus grand gouvernement mondial, de quoi faire quelques envieux. Victime à sa gauche de l'infiltration de l'athéisme communiste et à sa droite de la convoitise des sociétés secrètes qui le sont de moins en moins, la barque de Saint-Pierre semble être cernée de toutes parts. Et cela ne date pas d'hier. Dès 1818, une société secrète luciférienne, connue sous le nom d'Alta Vendita, met au point un plan de bataille pour prendre le contrôle de la forteresse vaticane. Les papes Pie IX et Léon XIII publient ce document et mettent en garde leurs fidèles contre cette tentative de subversion. Je me rappelle qu'au moment du Concile de Vatican II, il y a un évêque qui avait oublié quelque part sa sacoche. Alors on a bien dû l'ouvrir pour voir à qui elle appartenait et la lui rendre. Et là, on a découvert la fameuse signature des trois points, n'est-ce pas, sur ces documents. Mais en même temps, ce qui est encore beaucoup plus intéressant, il y avait des recommandations faites par la franc-maçonnerie concernant la liturgie. Et il était demandé à tous les évêques de cette obédience d'insister dans les quelques pages qui précèdent les gros missels destinés aux prêtres, il y a quelques pages pour lui indiquer comment célébrer. Et alors, il devait insister pour qu'on recommande aux prêtres de ne pas trop solenniser le moment de la consécration, de ne pas s'y attarder trop, de glisser assez rapidement. Donc, une sorte de façon déjà d'en diminuer l'importance. En clair, les sociétés secrètes, pour prendre ce pouvoir, ont donc décidé de s'attaquer au cœur même de la foi de l'Église, à savoir la croyance dans un miracle qui s'opère à chaque messe et par lequel un morceau de pain devient chair humaine et du vin devient sang. Autrement dit, les prêtres, les évêques, les cardinaux seraient donc les instruments d'un véritable phénomène qui dépasse l'entendement. Alors que dire quand en 99, lors d'une messe en direct à Lourdes, une hostie se soulève toute seule devant les caméras de télévision et qu'aussitôt, la conférence des évêques de France se précipite pour interdire la rediffusion de cette image au motif que c'est tout sauf un miracle. Heureusement, l'image était déjà sur Dailymotion. L'hostie restera soulevée pendant toute la durée de la dite consécration. Pourquoi cette allergie à tout ce qui ne paraît pas naturel, alors que ces hommes sont censés être les témoins privilégiés du surnaturel? Et pas seulement les témoins, mais aussi les serviteurs,
et à travers le monde entier depuis 2000 ans. Je retourne en Italie, car ce nouvel épisode dans la Cité Mariale m'a mis sur les traces d'un fait inouï qui a défié les scientifiques des Nations Unies. Bienvenue à Lanciano, sur la côte est de l'Italie, face à Rome. Nous sommes au 8e siècle. Aux commandes, un curé qui dit sa messe, sans doute sans trop y croire. Au moment de la dite consécration, l'hostie va alors se transformer en chair humaine et des gouttes de sang tombent dans son calice. Les paroissiens sont sous le choc. 12 siècles plus tard, la science l'est aussi. En 1973, des experts de l'OMS examinent l'incroyable relique. Les conclusions sont formelles. Il s'agit bien d'un bout de chair humaine qui provient d'un tissu du myocarde d'un cœur humain. Lourdes et ses miracles n'ont rien inventé. Clergé, sournoisement manipulé et qui n'y croit plus, et face à lui une femme qui, dans l'ombre, n'arrête pas d'y croire. Qui détient les clés de Saint-Pierre? Quelle marge de manœuvre pour l'évêque en blanc? Le pontificat de Benoît XVI est-il victime d'un complot visant à le déstabiliser? C'est en tout cas un scénario digne d'un roman d'espionnage qui se dessine depuis quelque temps avec cette fois non pas uniquement des rumeurs mais des faits. Le majordome du pape a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir permis la diffusion de documents confidentiels. Une tempête à laquelle devait sans doute se préparer le cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI. C'est lui qui, 10 ans plus tôt, donnait avec le cardinal Bertone la version dite officielle de la troisième partie du secret de Fatima. Au N'ayez pas peur de Jean-Paul II, Benoît XVI répond par « J'ai peur des loups ». À cette époque, en 2005, il parle de souillure au sein de l'Église. Il parle des loups qui guettent. Il a des images qui sont absolument incroyables quand il parle de cette barque de Saint-Pierre qui est chahutée dans la tempête. On se dit « Mais quel pessimisme !» En réalité, on va comprendre que ces pensées-là, il va les garder jusqu'au bout. C'est d'ailleurs probablement ce qui va lui permettre à lui de réagir plutôt bien, il faut reconnaître, à tous ces scandales qui lui tombent dessus, et notamment au grand scandale, le plus important de tous, celui de la pédophilie. C'est Benoît XVI qui va mettre un terme à cette affaire avec beaucoup de mérite. Au coup de tonnerre médiatique et planétaire, à l'annonce de la mort de Jean-Paul II, va suivre le coup de foudre, violent et localisé, à l'annonce de la démission de Benoît XVI. La foudre tombe à 3 reprises sur la basilique Saint-Pierre, un 11 février, fête de la Vierge. En résumé, en 33 ans, le monde catholique a donc connu un pape qui aurait été assassiné, un autre qui n'aurait jamais dû survivre, et un troisième qui démissionne. Tout va bien. Je comprends alors mieux la prudence de son successeur. À sa place, je ferai attention où mettre mes pieds. Son premier acte public, demander à la foule de prier pour lui. Le ton est donné. Quelques mois plus tard, autre moment historique à plus d'un titre et qui annonce là aussi des temps compliqués. Deux papes sont réunis côte à côte pour implorer la protection de l'archange Saint-Michel sur la cité Saint-Pierre. Une figure qui, selon la Bible, participera au combat final de la fin des temps entre le bien et les forces du mal. On ne peut pas faire plus explicite.
La bataille finale est donc bien annoncée. Si ce même archange fait toujours la joie de millions de touristes en France, grâce à des sites exceptionnels qu'il a réussi à faire construire par l'homme, il est peu probable qu'il soit aussi nombreux à connaître sa véritable vocation. Mais revenons à Rome. Pour moi, c'est la date choisie par les papes qui m'interpellent, le 6 juillet 2013. Or, le 6 juillet, c'est l'anniversaire de Notre-Dame d'Akita, au Japon, qui annonce, si je m'en souviens bien, la destruction d'une grande partie de l'humanité et de l'Église avec elle. Ou l'inverse. Depuis le début de mon enquête, j'ai comme une impression bizarre, celle de ne pas toujours être le maître de mon investigation. Cela fait maintenant 4 ans que j'ai commencé à écrire ce film, et je veux savoir. 3 mois après ce 6 juillet 2013, tout s'accélère. J'apprends qu'une icône qui représente l'archange Saint-Michel soigne de l'huile quelque part sur une île grecque. Si l'archange, censé défendre la cité Saint-Pierre des forces du mal, est en larmes, cela peut avoir un lien avec ce secret toujours bien caché. J'arriverai après la bataille, l'icône ne soigne plus. Mais les traces et la crémation sont là, et pas de clergé local pour répondre à mes questions. Pourquoi encore une icône qui sointe et dont l'image partout dans le monde représente la force et le combat? Pourquoi Rhodes? Son histoire parle pour elle-même. Cité médiévale unique, carrefour des 3 grandes religions du livre, terre de croisade qui a vu s'affronter chrétiens et musulmans. J'en profite pour rendre visite à une personnalité qui habite cette île. Elle s'appelle Vasula Riden. Depuis 28 ans, elle parcourt le monde pour inviter l'humanité à se réconcilier avec Dieu. J'en avais déjà entendu parler quand j'étais chroniqueur religieux au quotidien Ouest France. Son histoire étonnante sera bientôt portée au cinéma, celle d'une ancienne mannequin, championne de tennis. Elle me reçoit chez elle, j'étais juste venu la saluer, sans penser un seul instant que notre conversation allait me laisser sans voix. I was invited with other people on the 26th of November 1992. For a international Marian Marian convention, international Marian convention, there were there Father René Laurentin, Father Michael O'Carroll, and other priests as well. There was Cardinal Vidal as well, and he wanted to tell us about the messages of Akita and Sister Agnes. And of course he said that, you know, he said something that really surprised us. That was that he, when he went to Rome to bring the messages of Akita for investigation, he encountered Cardinal Ratzinger and he talked to him about Sister Agnes and the messages, and Cardinal Ratzinger said to leave them with him and he would read them to see what he can do. And they, you know, Bishop Ito thought that he will send an investigation, like normal. He always sends investigation to the site of the apparitions. The next day, when he goes there, he said that he surprised him, because Cardinal Ratzinger said to him, "We shall not send an investigation there, no consultants." And he said, "Why?" And then he said, "Because the message of Akita is the third secret of Fatima, so I don't have to investigate." That's what he said. You know, when we heard that, of course, we said, wow, hey, you know, that is the secret of Fatima. And, you know, I didn't hear it. We didn't hear it from another source, like, you know, Bishop Ito said so and so, because I wouldn't have believed, you know. But I heard it from the mouth of Bishop Ito, and so did the others, that there will be no investigation because it's not necessary
It is almost word for word the third secret of Fatima. Je contacte aussitôt les deux autres témoins pour vérifier l'information. Ils me donnent tous les deux la même réponse. C'était il y a très longtemps et ils n'ont plus la mémoire précise de l'événement. Le cardinal Vidal ne veut pas interférer avec les affaires du Vatican, tout est dit. Je file au Japon pour tenter de rencontrer sur place la religieuse japonaise d'Akita. La Vierge lui a donc aussi transmis ce fameux troisième secret. C'était un 13 octobre, comme à Fatima, et 13 ans après que Rome ait décidé de ne pas révéler ce secret. Même date, même chiffre que ceux de l'apparition au Portugal. Je débarque à Tokyo sur 15 cm de neige. Impossible de rencontrer sœur Agnès Sasagawa, elle ne donne plus aucune interview. Heureusement, j'ai retrouvé une vidéo où elle parle des messages d'Akita et révèle sans le savoir le troisième secret de Fatima. C'était au mois d'octobre, la même année. Jusqu'au mois d'août, je n'avais pas encore fait mes vœux. Avant, la Vierge me parlait en me disant « ma fille, ma novice ». Cette fois, la Sainte Vierge m'a appelée en me disant « ma fille bien-aimée ». Sa voix était grave, très grave. Ma fille bien-aimée, fais bien attention à ce que je vais te dire et informe ton supérieur. Comme je vous l'ai déjà dit, si les hommes ne se repentent pas, Dieu enverra un terrible châtiment. Le jour où cela arrivera, ce sera terrible et au-delà de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Ce sera pire que le déluge. Un feu va tomber du ciel. La plupart de l'humanité sera détruite. Aucun prêtre ni homme de foi ne sera épargné. Les survivants seront dans une telle détresse qu'ils environt les morts. Les seules armes que vous aurez seront le chapelet et la croix, le signe de mon fils. Priez le chapelet. Priez pour le pape, les évêques et les prêtres avec le chapelet. C'était donc ça. Très loin des révélations du Vatican, le troisième secret annoncerait donc un fléau plus effrayant que le déluge, une guerre interne au cœur de l'Église et la persécution des chrétiens qui, elle, a déjà commencé. Ce qui correspond à ce qu'avait indiqué le cardinal Ratzinger en 1984, évoquant les messages d'autres apparitions, sans toutefois préciser lesquelles. Six ans après avoir commencé l'écriture de ce film, j'étais à 10 000 lieues de savoir que l'icône de Garges Légonès allait me donner aussi les clés d'un secret dont personne ne sait quoi faire, moi le premier. Une chose est sûre, cette enquête m'a fait rencontrer des personnages étonnants et auprès desquels j'ai beaucoup appris. Il y eut d'abord ces drôles de chauffeurs partis dès 1994 sur les routes du monde au nom de la paix et de la réconciliation entre les peuples et les religions. 10 ans après, les pays visités sont à feu et à sang. J'avais suivi l'un d'eux en Irak, juste avant l'invasion américaine, dont on peut mesurer le résultat. 10 ans plus tard, j'ai retrouvé cet apprenti prophète des temps modernes à l'hôpital, le corps rongé par la misère, mais l'esprit toujours en alerte. Il y a beaucoup de chômage en France, il y a beaucoup de chômage dans le monde. Mais je crois qu'il y a bien plus de chômage dans le ciel
parce que le nombre d'anges, c'est plus nombreux que les étoiles. Pas des milliards, mais des myriades. Et on diminue de les appeler. Dans cette aventure, j'ai été surpris de découvrir ces métiers que je croyais disparus et qui refont soudainement surface dans nos sociétés numérisées. Je suis un mouleur de vierge, j'en ai moulé beaucoup. Et mais il y a un moment où ça s'est arrêté et là je reprends. Je ne suis pas mécontent de reprendre et de continuer ma route vers le paradis. Et que dire aussi de ces nouveaux ambassadeurs de renom qui s'enferment en prison pour tenter d'ouvrir un autre ciel à ceux qui l'ont déjà perdu. Qui est donc cette femme qui intrigue par ses foules qu'elle déplace chaque année à la même période? Qui est cette femme qui questionne des prix Nobel de médecine, de chimie et d'ailleurs, avec des faits inexpliqués depuis des siècles? Qui est cette femme pour avoir réussi à faire construire à l'homme des monuments impossibles qui sont aujourd'hui les plus visités au monde et qui rapportent chaque année des millions d'euros à l'État français grâce à ses pèlerins du monde entier? Qui est cette femme capable de rassembler des chrétiens, des musulmans, des hindous, des bouddhistes, et dont la médaille se distribue à 1 milliard d'exemplaires? Qui est cette femme qui réussit à faire danser des descendants d'Aztèques et qui pleure en Occident depuis 2 siècles? Qui est cette mère qui console et tente d'unir là où l'homme divise? Mais il me reste une question. À quand la réalisation de ces prophéties catastrophiques? Retour à Paris, où une course contre la montre est annoncée sous le regard d'un connaisseur. Je file à la rue du Bac, où la Vierge semble avoir pris les devants, en offrant à qui veut l'entendre sa médaille miraculeuse en guise de protection. Ça ne peut pas faire de mal. Le monde entier ici a rendez-vous. We come from Singapore. So we come here as much as possible. I'm from Japan. I know this chapel for more than 20 years. Why? Why? Why are you here today? Because I want to buy medals. Comme cette japonaise, ils sont plus d'un milliard à porter cette médaille. La Vierge est donc apparue ici à une religieuse, Catherine Labouret, pour lui demander de faire frapper une médaille. Premier miracle, sa diffusion. En quelques années, elle se vend déjà par millions d'exemplaires, signe des temps ou pas. La fabrique tourne depuis à plein régime. Souvent, mais très souvent, les gens viennent ici, ils se mettent à pleurer parce que ça les touche beaucoup d'être dans la chapelle et puis ils perçoivent quelque chose. Ça dépend des sensibilités aussi, beaucoup des personnes. C'est ça qui est impressionnant surtout, c'est de voir leur réaction. Et là-bas, là, ici, oui. La mis au placard. Un bon père de famille, tel que Dieu, puisqu'il nous aime à la folie, il faut dire, hein. Bon. Eh bien, il nous laisse faire. Il nous dit, bon, vous jouez les grands? Eh bien, faites les grands. Sans moi, vous voulez? Eh bien, très bien. Allez. Puis alors, aujourd'hui, si on a des coups, il ne faut pas s'étonner. Mais comme il nous aime à la folie, un jour, il se dit, non, ça va, je vais venir à leur secours. Mais en attendant, voilà, on prend des coups. En revisitant ce sanctuaire, je découvre que cette apparition a inspiré le créateur du drapeau européen, Arthène Heinz,
en reprenant les 12 étoiles sur fond bleu. Ce drapeau sera adopté à l'unanimité le 8 décembre 1957, fête de la Vierge, fête de l'Immaculée Conception. Le drapeau européen, né à la rue du Bac. Je n'en reviens pas. Pour la première fois dans l'histoire des apparitions mariales, la Vierge serait donc apparue en France avec une couronne de 12 étoiles, la lune sous ses pieds et qui écrase une tête de serpent. Cela ne vous dit peut-être rien, mais c'est tout simplement la femme de toute la Bible. Du dernier livre, celui de l'Apocalypse, où elle est couronnée de 12 étoiles, jusqu'au premier livre, celui de la Genèse, où Dieu promet qu'elle écrasera la tête du serpent. Israël, il y a du nouveau. De nouveaux pèlerins débarquent du monde entier pour prier pour la guérison du cœur de l'humanité. Des pèlerins conduits par l'évêque de la capitale européenne, Monseigneur Léonard, une jeune croate mariée, mère de famille. Une prière commune dans un champ de Galilée, là aussi c'est une première. Des chrétiens inquiets et sous l'œil bienveillant de leurs aînés. We have to pray together that this star will give us everything that we need. And it can't be only with countries, that every country thinks about herself and everyone thinks about himself and so on. Now there is politics in religious. They have ego. And ego is doesn't go with religious. Face au mur qui s'annonce et qui se dresse déjà, un seul mot d'ordre de ces pèlerins de la fin des temps, la prière. Encore à écrire et elle dépend de nous, croyants comme incroyants. 1917, 1960, 2014. On pourrait peut-être suggérer au Vatican d'inaugurer une nouvelle fête, pourquoi pas Notre-Dame de la Patience. Conscient, ouais. Et ventile. On va lui mettre un collet cervical, ouais. D'accord ? Je me suis toujours demandé comment j'étais sorti indemne de mon accident de moto et pourquoi j'étais entré dans une école de journalisme. Rassurez-vous, je n'ai pas vu la Vierge dans mon coma. Au fait, j'ai une dernière surprise pour vous. J'ai les résultats des analyses de l'huile de garge légonesse. Il ne s'agit pas d'huile d'olive, elle a les caractéristiques d'une huile d'arachide. Mieux, après 5 mois, l'huile toujours sous scellée a disparu des tubes.
5-6 mois plus tard, le requérant s'est présenté avec les échantillons et on s'est aperçu que soit l'huile s'était évaporée, en tout cas le niveau n'était plus le même. Donc, on ne retrouvait pas du tout, alors que les échantillons avaient été scellés et garantis par mes soins, on n'avait pas du tout le même niveau. On a pratiquement plus d'huile et l'huile qui reste est blanche. Ça n'a plus rien à voir avec le prélèvement qu'on a pu faire. J'ai voulu bâtir ceci en allant au-delà des religions, au-delà des nations, au-delà des frontières nationales. Nous devons nous unir. La science pour vivre et non la science pour tuer. L'important, c'est de réussir à construire une base solide à l'intérieur de nous-mêmes. Je dépose au fond de leur cœur une petite graine et qui sera là à jamais. De retrouver des copains qu'on n'a pas vus de très 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 longtemps. On est réunis tous ici pour se connaître et tout ça. To hear a voice to help me through. When hope is low, you find the words to make me feel so much better. When I've had enough, I've had enough of all the tears and all the hurt. I can count on you. You
And once again, mother, you are right there, mother, you are my guide. Je pense que Marie peut être la jonction, en effet, entre les trois religions, et elle peut être la médiation pour un monde meilleur, dans le sens où elle a toujours donné, si vous voulez, de sa personne, en offrant au monde, en quelque sorte, Jésus-Christ. And shine like you, and once again, mother, you are right there, mother, you are my guiding light, my shoulder, my shelter, my satellite. I'm weak, you're bright. Two courses. First one was Hiroshima, 160 kilo, and second one was the Nagasaki course. Ça donne des ailes de courir pour la paix ou pas? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et puis on a roulé ensemble, c'était vraiment super. Les choses pour promouvoir la paix, c'est une chose dans notre monde indispensable. Il y a 70 ans, il est tombé la bombe atomique et Michael, qui est à côté de moi, a voulu montrer aux gens qu'il y avait autre chose que ça, qu'il fallait faire la paix avec la Madone de Nagasaki. Et quand on regarde cette Madone, elle a que les deux yeux qui sont brûlés. On a l'impression que c'est toute la misère du monde qu'elle veut plus voir.